Bien bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfang pour un nouveau let's play, un jeu que peut-être vous avez déjà croisé, peut-être sur les streamers, beaucoup de gens ont fait des petits placements de produits sur, sur ce jeu franchement qui a vraiment une bonne un bon délire, mais comme d'habitude hein, un streamer pas payé, wow, excusez-moi, un streamer pas payé égale un streamer pas tourné évidemment. Donc Dredge, un jeu donc de, comme vous avez pu voir, développé par Black Salt Games, édité par Team 17, paru le 30 mars 2023. Oui, j'ai attendu un petit peu pour le faire. J'ai attendu que quelqu'un ne se lance pas dessus, etc. Et que j'ai attendu surtout qu'il soit pas cher, parce que j'étais pauvre et sans dents, évidemment. Moi, je vous en propose un let's play. J'espère que ça va vous chauffer, j'espère que ça va vous motiver. Parce que moi, c'est vraiment un jeu qui m'a plu. Et bien, nouvelle partie. Alors, le jeu, c'est quoi? Le jeu, c'est ça. C'est ce que vous voyez devant vous. Et voilà, donc bienvenue dans le Darkest Dungeon. Non. Lol. La lumière du matin vous éblouit et vous tentez de vous asseoir. Vous êtes allongé sur le cas humide et froid, où vous êtes effondré la nuit précédente. Un petit homme aboie des ordres à une poignée de travailleurs qui débarquent d'un navire à proximité. L'homme vous remarque. Bienvenue à la grande moelle. Pas la grande mouette, hein, la grande moelle. Déjà vachement rassurant. Eh bien, on peut dire que vous soignez vos entrées. Je crois que vous avez déjà fait connaissance avec les roches déchiquetées de la baie. Vous n'avez pas vu le phare, il brillait sous votre nez. Enfin, je suis ravi que notre nouveau pêcheur soit sain et sauf. Votre bateau a subi des dégâts irréparables, mais j'ai demandé à des habitants de mettre vos affaires dans l'un de nos vieux navires. On se verra plus tard pour discuter des détails. Je vous laisse pêcher des poissons, essayez de remplir votre cale, cela vous permettra de prendre vos marques tant qu'il fait jour. Au fait, je le précise au cas où, mais revenez avant la nuit, avant que le brouillard ne tombe. Gardez un œil sur votre montre, c'est facile de se faire surprendre. On est en Zouad. Alors, quand on est en Zouad... Voilà, le jeu était grave bien et le jeu est devenu nul d'un coup. non, ça c'est bon, oui. Gauche et bas droite. On est bon. Menu des capacités, ça me paraît très bien. Interagir, mouiller, ouais, ça me paraît très bien. Quitter. Annule. Reprendre, je voulais dire. Donc maintenant, moi, c'est ça. Ouh, on attaque. On peut faire des marches arrière. On peut faire des petites marches arrière. Orienter la caméra, ok, ça roule. En fait, je suis en train de me dire, on peut peut-être plutôt être manette. Pêcher. D'accord. Ah, et j'ai un petit poisson. Parfait. Hop. Quoi? Ah ouais, alors on va bien rigoler, puisqu'évidemment, il va falloir avoir un tant soit peu de rythme. Et avoir les yeux en face des trous. Et c'est pas mon cas, hein, évidemment. Ceux qui me suivent un peu, vous le savez. Je suis un retardos, hein. Un bon gros retardos. Dès qu'il faut avoir un timing, quoi que ce soit, vous êtes sûr que je suis parfaitement à côté. X pour partir, ça me va. Un pec de câble. Hop. J'ai un nouveau poisson. Pivoter. Ah, ok. Oh, tout ça à la souris. Ok, ok. Cool.
suis peut-être en train de m'embêter pour rien. Je pense que c'est un jeu qui doit sûrement très bien se faire manette. Je suis en train de m'embêter alors que je vais peut-être décider de prendre manette parce que ce sera plus simple et plus intuitif pour les touches. Je peux pas pêcher ça. Pourquoi? On n'est pas le bon mal. Ah oui, c'est vrai. Il y a cette histoire. Il y a cette histoire. Oui, ça fait un moment. Pareil. Hein. Je l'avais repéré, mais bon, ça fait un moment. Hein. Qu'est-ce qu'il y a pour là? Ouais. Se pêche ça? Pas sûr. Bon. Je vais me regarder, mais j'ai dit non. Oui. Oh, let's go. J'ai pêché un beau poisson. Ok. Bon, on aura plutôt bien rempli la cale, hein, je pense. Hein. C'est plus beaucoup de place. On va aller chercher une place ouille quand même. C'est un poisson, ça. Des restes de trucs de machin. Donc là, il est en train de se passer un truc. J'ai le droit de pêcher ça? Trop bien. Donne. Voilà. J'ai découvert un nouveau truc. Mais bon, on est plein. Donc, retour maison. Pour éclairer. Et si je veux pas éclairer? Ah, un truc par là. Où ça brille. Le phare surplombe les lieux, les vagues s'écrasent sans cesse contre les dangereux rochers en contrebas. Toutes les créatures humaines ou autres y verraient leur corps se briser avant d'être jetées à ses pieds. Vous songez à la force intrinsèque de ce bâtiment, cette grande colonne de pierre, dont dépendent d'innombrables vies. Combien de temps tiendra-t-elle? Combien avant de tomber en ruine et de devenir inutile? Le phare surplombe les lieux. Bah nice. Il y a un truc là. Ah, c'est une bouée. Ça, je peux pas le pêcher. Ok. Poète. On joue à Cthulhu, hein. Je l'ai peut-être pas dit. Ah. Ah, la lumière peut nous lâcher, c'est rigolo ça. Vous rejoignez le quai de la Grande Moelle. Le maire vous attend non loin. Je vois que vous êtes sain et sauf, parfait. Avant que vous alliez en ville, on devrait discuter de votre bateau. Comme je vous l'avais dit, votre vieux bateau était trop abîmé pour être réparé. Cependant, je suis ravi de vous vendre ce bateau de remplacement, il est à vous. Je sais que vous n'avez sûrement pas les fonds nécessaires, alors nous allons vous faire un prêt. Mais je tiens à ce que ce soit simple pour vous. En attendant que votre dette soit remboursée, une petite partie de votre pêche vendue servira à la payer. Quelques intérêts contribueront à l'amélioration de la ville. Récapitulons, vous devez vendre du poisson sur le marché local afin d'éponger votre dette et de veiller à ce que les habitants s'en nourrissent, c'est compris? La vente de ma pêche aidera la ville et remboursera ma dette pigée. Allez-y, vendez vos poissons tant qu'ils sont frais. Vous entrez dans une cahute sordide bordant la place du marché. L'odeur familière du poisson s'en dégage. Des mouches s'agitent dans tous les sens autour de l'homme dépité derrière son comptoir. Tel nouveau pêcheur, hein. Ça m'épate qu'ils en aient trouvé un autre si vite. Qu'est-ce qu'il y avait au précédent? Disons que tout le monde n'est pas taillé pour vivre ici. C'est pas une vie facile. Parlons affaire, je t'achèterai tes poissons. Plus ils sont gros et frais, plus ils rapportent. Certaines des espèces valent aussi plus que d'autres. D'autres villes sur d'autres îles peuvent te proposer un autre tarif, mais tant que tu as une dette ici, je te conseille d'abord de la rembourser. Bon, voyons ce que tu m'apportes. En PTDR, il y a le raccourci tout vendre. Allez hop. Voilà. Le maire se tient devant la boutique du poissonnier. Très beau travail, je ne doute pas que vous serez capable d'approvisionner la ville. Au fait, j'ai trouvé ça près du quai, je parie que ça pourrait être utile, tenez. Sont des pièces de rechange.
composant étrange qui pourrait être utilisé pour développer du nouveau matériel, mais il faudrait d'abord avoir des recherches dessus sur lequel. Okay. Oh, une dernière chose. Notre charpentier a dit qu'elle pourrait apporter des modifications à votre bateau. Vous devriez aller la voir. Charpentière. En pénétrant dans le chantier, vous apercevez la charpentière qui répare une coque abîmée. Elle vous jette un regard avant de reprendre son travail. Tu dois être le nouveau pêcheur, hein. Je peux améliorer ton bateau sur le chantier. Donc c'est déverrouiller de nouveaux caps. Au fait, je ne suis pas du genre à faire des faveurs, hein. Il faut me payer d'avance et toute installation prend du temps. Si jamais ton bateau s'abîme sur les rochers ou je ne sais quoi, je peux le réparer autant que possible. Elle hausse les épaules et désigne vaguement la coque qu'elle tente de réparer. Un certain nombre de planches tout au-dessus de la ligne de flottaison sont brisées et raflées. Jette un coup d'œil. N'oublie pas que plus l'équipement est gros, plus il faut de temps pour l'installer. Sois prévoyant. Ok. Ah ouais. Ok. C'est les cannes à pêche qui me permettent de... Mais j'ai des thunes, moi. Et où mon pognon? 160... Ah, 160 balles. Bon, on va prendre une canne à pêche qui me permet d'aller... C'est quoi la différence entre les deux? Allez, rembourse, attends. Vitesse de pêche plus 40% état opérationnel. Temps d'installation 3 heures, 2 heures. Ah, ok. Ouais, il y en a une qui permet de se régaler plus, mais elle prend plus de place. Ouais, elle prend plus de place. Pour l'instant, on a besoin d'argent. Ok. Et ben, ok, cool. Revenir en ville. Hop. Donc là, on a des recherches. Ça permet d'aller... ouais, on va commencer par ça. Hein. On va commencer par le début. Un côté au fond. Ah ouais, non, il aurait même fallu commencer par ça. Il aurait même fallu commencer par ça. Côte au fond, mangrove. Ah oui, bon, ouais, on va arriver là, ça va se régaler. Ok, on va avoir des trucs qui permettent de pêcher tout et n'importe quoi. C'est très bien. Et donc, ma réserve où je peux ranger mon excédent cabine. Encyclopédie. Ok, on a tout, tout sur les petits poissons. Prise 1, suite 1, surgit des profondeurs la nuit pour se nourrir ou être dévoré. D'accord. Donc c'est une créature nocturne. On l'a trouvé dans les moelles et dans les autres régions. Pour l'instant, on n'en a pas vu. Canne à pêche, chalut, casier à crabe. Ah, ça peut être pris dans des casiers à crabe. Ok, d'accord. Levez l'ancre. Go faire du pognon tout de suite. Ben voilà. Bim. Ah merde, c'est raté. Truc sur la bouée. Allons voir la bouée. Une bouée, elle permet d'indiquer un passage sécurisé entre les rochers dangereux et des risques cachés. Sa faible lueur offre également un bref répit dans l'obscurité de la nuit. Formidable, on adore. Un truc que j'ai jamais pêché avant. C'est un poisson carré. Oh putain, ça va être chiant. J'ai pas la place pour ça. Ah, c'est tout? Zone épuisée. Ah bah d'accord. Bah, il y en a un. Ça là-bas, je sais pas ce que c'est. Quelque chose glisse dans votre cale. Pardon. Il se passe des choses étranges et obscures dans ma cale. Déjà pêché. Oula! Calmar flèche infectée! Comme quoi c'est important de manger bio et d'arrêter de polluer les océans. Voilà. Leçon de morale sur 20.
contre, hein. On va ratisser les fonds. Mais attendez, on peut gagner de la place, on peut gagner de la place. On peut faire des choses. On peut faire des choses. Par exemple. Voilà. Et ben voilà. Hop, hop, hop. Alors je remplis vraiment comme un seau, hein. J'y vais comme un gros sac parce que je voudrais qu'on paye notre dette le plus vite possible. Avant de nous lancer vraiment dans des grandes explos. Oh, il y a un requin là-bas. Un quinquin, quoi. J'ai raté le port. Bon, bah tour de l'île. Ah non, mais il y a plein de choses sur moi à découvrir. Retour au port. La caméra qui se gère en plus... un peu bizarre. Elle est pas... C'est pas que c'est bizarre, c'est qu'elle est pas très, très, très fluide. Hop, le poissonnier. Un client m'a confié une commande spéciale. Si tu arrives à l'honorer, je te paierai plus que le prix normal. D'accord, parle-moi de la commande. Le client veut un quart d'eau et une anguille grise. Rapporte-les-moi quand tu les auras. Jamais pêché. Pour les attraper, tu auras besoin d'une canne qui résiste aux poissons au fond. Va donc voir la charpentière. Mais tu sais, j'en ai une. Tu as trouvé des poissons pour la commande? Oui. Ça. Terminé. J'en ai qu'un. Très bien, reviens quand tu auras tout. Bon, revenons à nos affaires. Ok. Hop là. Oh, par contre, ça paye. Oh, les hauts fonds, ça a payé tout de suite. Ça permet de pêcher dans les océans. Mais j'ai pas la place de prendre ça. Un autre moteur en plus, mais... Oh, des spotlights. Un emplacement de spotlight. Non, non, mais on va voyager léger. Voyager léger, c'est... C'est l'assurance d'avoir de la place pour pêcher, quoi. Donc le gars, il veut un quart d'eau, c'est dans les hauts fonds là, ou je sais pas quoi, une anguillasse. Faut que je trouve un truc qui ressemble à une anguille. Voilà. Ah ouais, j'ai asséché les trucs, mais si vite. C'est quoi, c'est la même chose ça? Non, non, c'est peut-être nos anguilles ça. C'est nos anguilles. Oula, oula, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ok, ok, style de pêche. Style de pêche différent. Mais. Je suis vraiment naze. Hein. C'est un cauchemar. Bon, bah j'ai au moins. Quoi, déjà? Mais j'ai même pas réussi à aller jusqu'à l'autre port en face. Non, mais c'est nul. Eh, hey, y'a un truc qui brille dans la nuit là-bas, au loin. Mais en fait, on nous dit qu'il faut pas sortir la nuit, c'est le darkness tout ça, mais il y a quand même des poissons qui sont disponibles que la nuit. Hein. Bam. Bam. Ah, pu. Genre là-bas, il y a un truc. Hein. Par contre, je vois vraiment plus rien. Hein. Genre, s'il y a un caillou, je me le prends. Hein. Ouais, commence à y avoir de la caillasse. Hein. Il y a des trucs qui traînent comme as là. Il y a un autre truc là-bas. Ça c'est la côte, ça se passe bien. Oh là. Un rocher qui apparaît chelou là. Hop 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 là. Hop 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 hop. Un poisson. Non. Oh, c'est une épave. Tiens. Dragué. Non, non, j'ai pas envie de pécho, de draguer qui que ce soit. Vas-y, au revoir, bonne nuit, je fais demi-tour. Est-ce que l'heure avance si je bouge pas? Non, l'heure n'avance pas si je ne bouge pas. Allez, on se calme, on se calme. Je suis chez moi, là, je suis à la maison, calmez-vous. Hop, 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 hop. Je crois que c'est le nouveau village.
Ah, ah, plein de poissons que je connais. Ah ouais, let's go. Ah, j'ai un petit coup de flip quand même, hein. J'ai un petit coup de flip. Bah la page place avec ces grands cons là. Pas la place. Et ça c'est que des poissons carrés. Ok ok, on va aller là vite fait. Je suis sûr qu'on peut se vendre un truc là. On peut se vendre un truc. Ah bah c'est la petite moelle. C'est pas le même endroit. Un négociant. Vous entrez dans une boutique très lumineuse, elle regorge d'antiquités, les étagères débordent de bijoux et autres babioles. Un vieil homme vous observe par-dessus ses lunettes argentées. Bonjour, est-ce que c'est... Ah, non. Je ne crois pas qu'on se connaisse, pardonnez-moi, mes yeux ne sont plus ce qu'ils étaient. Je me spécialise en antiquités et en bijoux. J'achète toutes les babioles uniques que tu as. Tu as peut-être quelque chose d'intéressant à me montrer. Non, monsieur. Mais si je trouve des trucs qui se mangent pas, j'ai compris que c'était pour vous. Hein. Voilà, c'était la partie fort rassurante de la soirée. Maintenant, on retourne au port, au port en brouille. Oh ouais, vas-y, j'ai encore un peu de place. Bah voilà, j'ai pas plus de place. C'est méga bien. Bon, allez, arrête ton cinéma, il fait jour là. Allez. Wow, 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 wow. Ils ont mangé qui ou quoi tes corbeaux là? Non, non, c'est le matin, gros. Eh. Attends, je me prends des dégâts. Pourquoi je me fais attaquer? On volait en guille grise. Ah! Ah, il me pique de la bouffe. Oh, les petits bâtards. Une femme voûtée descend les marches du phare et s'approche de vous. Elle s'arrête à bonne distance et vous observe d'un air inquiet. Gardienne du phare, que fais-tu ici? Je suis là pour pêcher. Il n'y a plus rien ici pour les gens comme toi, tu ferais bien de lever l'ancre. Elle fait demi-tour et reprend le chemin du phare en traînant les pieds. Ok, nice. Hop hop hop, deux secondes garçon. Ouais alors, attends, ta commande. Paf. J'ai. Là, on... Ouais. Oui. Voilà. Le poissonnier enveloppe le poisson et vous tend de l'argent. Très bien, mon client devrait être content. J'ai une autre commande ici, elle est un peu bizarre. Le client veut deux calmars et un mérou noir entier. On voit plus beaucoup de gens pêcher le calmar, il ne se nourrit que la nuit et tu sais comment sont les nuits par ici. Bonne chance, tu as trouvé des poissons pour la commande? Oui. Tiens. Je suis un peu un escroc, monsieur. Hein. Et voilà. Le poissonnier enveloppe le poisson et vous tend de l'argent. Je pensais pas que t'aurais le cran de faire ça. Pêcher de nuit, c'est pas une mince affaire. Je te préviens quand j'aurai d'autres commandes. Pour l'instant, revenons à nos affaires habituelles. Veille à te reposer suffisamment. Fatigue et navigation ne font pas bon ménage dans ces eaux. Voilà. J'ai pris du pif, gros. Bonsoir, vous avez l'air épuisé. Vous n'oubliez pas de vous reposer, pas vrai? Comme je dis toujours, il faut prendre des pauses régulières pour être productif. Voici la personne que j'attendais. Pourriez-vous aller à l'est en direction de la petite moelle? Auriez-vous l'aimabilité de donner ce colis au docker qui s'y trouve? Le maire vous tend un petit colis humide fermé par une ficelle, il goûte légèrement. Le docker vous paiera à la livraison. Ne traînez pas, hein, je ne voudrais pas que ça se gâte. N'oubliez pas de consulter votre boussole et votre carte si vous vous perdez. Ok, le mélange, hein. Alors je peux dormir deux jours, genre. Quoi, réveille-moi tout de suite, là. Hop là, enlève l'encre. Oh, oh. Le mec, il allait me faire dormir pendant 1000 ans. 10h du mat, t'es fou. Une petite sieste de 2h, là, on repart, hein. On profite du fameux coup de fouet de la journée, ça nous met bien. Hein. Un petit peu d'orage, c'est un détail. Allez, on se remplit la cale.
On se remplit la cale comme on dit dans le milieu. Ah putain. Bah c'est juste un vulgaire poisson. Un abruti. C'est bien, il y a du poisson au moins. Ah, il y a une bouteille à la mer là-bas. Ah bah c'est tout. Attends, je vais l'appliquer à la bouteille. On fera ça au retour. Bon, c'est 18h et quelques. Ah ouais, mais en fait j'ai plus le temps pour pêcher là. Oh, allez, un petit calmar, on a toujours le temps pour se faire un petit calmar là, tranquille. Hop là. Je suis douillé un calmar légendaire. Juste parce que je suis nul. Hop 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 hop. Quoi ? Un colis ? Voyons voir. Ah, il fait un petit trou dans le papier et jette un coup d'œil à l'intérieur. Vous avez l'impression qu'il cherche à vous dissimuler le contenu. Ah, c'est tout frais, c'est parfait. Je dois te payer, j'imagine. Il vous tend de l'argent, 25 balles. Bah ouais, tranquille la course, hein. On m'a donné ce vieux livre il y a quelques semaines, mais j'ai pas tout compris, hein. Il te sera sûrement plus utile qu'à moi. Il sort un livre usé de sa poche arrière et vous le tend, plusieurs pages sont pliées. Garde-le dans ta cabine, tu pourras peut-être le lire pendant que tu es sur l'eau. Viens me voir quand tu veux. Je sais que la solitude peut peser dans ton boulot. Ok, 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 ok. Ok, ok, ok. Bon, la cabine... Ah, cabine. Pêche durable, sur étagère 0% pour... lire pour débloquer. Ok, bon, c'est parti. On lance la lecture du truc. On pourrait se reposer, mais nous on est des chauds. Hein. Nous on est trop chaud. Alors, à première vue. Donc ça c'est une bouée. Ça c'est une bouée. Ah, c'est tout droit de toute façon. C'est tout droit, qu'est-ce qui peut nous arriver? Il semblerait que l'océan ait des petits gargouilles. On peut arriver, oh, peut-être qu'il est un peu malade. Mais il ne peut rien nous arriver. Sonne safe. Oui, j'ai un bateau qui tourne. Voilà, caméra de bateau, pas ouf. Hein. Il a fallu que je fasse 15 tours de souris pour avoir retour. Hop là, le poissonnier. Tu as vu l'étrange lueur rouge la nuit? On dirait qu'elle surgit de l'ouest. D'accord. Mais encore? Le mien se dirige vers vous, l'air pressé, apparemment de bonne humeur. On dirait qu'il a des ressorts dans les jambes. Excellente nouvelle, en partie grâce à vos efforts, la grande moelle se développe. Notre ville va bientôt grouiller de visiteurs. En fait, j'ai accordé à la charpentière un permis d'extension de ses locaux. La vieille cale sèche fonctionne à nouveau. J'ai aussi alloué des fonds à l'amélioration des services du poissonnier. Il devrait bientôt avoir des nouvelles pour vous. Continuez comme ça, nous sommes ravis que vous ayez choisi de jeter l'ancre ici. Bon, bah, la cale sèche. Voici la cale sèche, on peut y faire de grosses améliorations sur ton bateau. Je parle d'espace supplémentaire et de points d'attache pour ton équipement et de coques supplémentaires. Il nous faut un bon stock de matériaux solides pour ces projets, des planches, de la ferraille, etc. Ouais, ok, comment on les obtient? Il y a des tas de matériaux corrects le long de la côte, ils proviennent d'épaves notamment. Je parie que tu pourras trouver un moyen de les récupérer. Les matériaux servant aux améliorations seront stockés ici, donc pas d'inquiétude si tu en as que la moitié. Ok. Ah oui, ok, ça me dit ce que ça mange en rouge. Je crois que c'est à la charpentière, elle vend un truc comme ça. Pour les océans. Des moteurs. J'ai rien à réparer.
une loupiote. Au fond, au fond. Ouais, mais comment je les remonte, moi, tes machins? Toi, je sais pas comment je l'ai. C'est dans ma recherche. Je sais pas. Dormons. Dormons. Roupillons. Ah, on a enfin dormi. Et qu'est-ce qu'il nous dit le bateau? On a 12%. On a eu un léger accident hier. Alors c'est un message du 21 août 1927. On a eu un léger accident hier. Ah oui, c'est la bouteille qu'on avait ramassée. Eh ben oui. Donc dans les eaux peu profondes à l'arrière de la grande moelle, un rocher semblant surgir de nulle part a heurté l'avant du bateau. Il n'a pas percé la coque, mais ça nous a secoué et quelques objets sont tombés dans l'eau. Nous n'avons pas vu lesquels. C'est bien ennuyé, mais nous pensons que nous avons encore le principal. Il a consulté les notes de la cérémonie de baptême du bateau. Il est paranoïaque. Et est convaincu de ne pas avoir respecté les étapes. J'ignorais qu'il était si superstitieux. D'accord. Quête. Attendez d'autres commandes. Reçu. Travail terminé. Voilà. Carte. Ah bah la carte. Mesdames. Encyclopédie. Des poissons quoi. Des poissons. Des poissons. Alors oui. Mais. Il y a autre chose. Cabine. Cabine. Non, il n'y a rien d'autre. Je sais pas comment je récupère ça. Quoi qu'il en soit, c'était Knarfank sur Comme d'habitude Gaming pour Dredge. Et j'espère que ça vous plaît. Je vais en faire d'autres, moi, personnellement. Comme d'habitude, j'en fais au moins, généralement, 3. Et puis, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ou pas. Vraiment, poussez du bleu, partagez-le si ça marche. Parce que, par exemple, Potioncraft va s'arrêter, puisque je vois qu'il n'y a plus de vue dessus. Voilà. Je vous remercie, c'était Knarfank sur Comme d'habitude Gaming. Et je...